vamos al paradis, Haïti. Quand je me rappelle tes forêts si belles, tes grands horizons, loin de tes rivages, la plus belle. Je suis né à Saint-Thomas parce que mon père ayant participé à la guerre civile de Firmin et Non-Alexis, il a dû s'expatrier et aller à Saint-Thomas, où je suis né, le 19 janvier 1907. Je suis rentré en Haïti à l'âge d'un an et j'ai vécu avec mon grand-père à la Lue. La lettre est pour voir le livret. C'est dit qu'on s'attend ton homme, on a tout colis. C'est dit. Alexis Nogom, on a tout colis. C'est dit. Alexis Nogom, on a tout colis. La lettre est pour voir le livret. C'est dit. Mon grand-père était un homme doux. Je n'ai jamais entendu dire un mot en voix élevée. Il parlait toujours en voix basse, tranquille. Tandis que mon père était un violent. C'était le général Sanson. Pourquoi on l'a appelé général Sanson, je ne sais pas. C'est pendant qu'il a fait la guerre des Cracos, avec Maurice Amour. Et il est rentré à Port-au-Prince. Je me souviens, j'étais gosse. Et je suis allé le rencontrer avec mon cousin Philippe Bouin. Au petit four. Comme toujours, il était à cheval avec son escorte. Il m'a mis devant son cheval. Et il était toujours en butte avec tous les gouvernements. Je ne me rappelle pas avoir fait un an de suite avec papa à la maison. À un moment donné, il avait pu construire une petite usine à la rivière Fouade. Et c'est là que j'ai vécu peut-être 2 ou 3 ans de ma vie. Encore à l'époque des Cracos. Et je me souviens, petit, et le soir, on entendait le cri des veilleurs. Qui vit ? Qui vit ? Et ça me causait une peur effroyable. Maintenant, comme toujours, dès que je rentrais à Port-au-Prince, on entendait des tirs, tout le monde était obligé de descendre de l'étage supérieur en bas avec des matelas qu'on mettait aux portes pour empêcher les balles de nous atteindre. Ça, c'était l'époque de la guerre entre David Théodore et Maurice Amour. J'ai vécu l'affaire de Villemorillon. J'habitais chez ma tante, Madame Bouin, à côté de la Légation de France, où Villemorillon s'était réfugié pour se cacher. Quand la foule est rentrée, nous étions sur le mur pour regarder ce qui se passait. Et quand on l'a jeté de la fenêtre, il est tombé et la foule l'a pris et est sorti avec. Et le lendemain, sont arrivés les marines. Thank you.
Then in 1915, United States Marines land in Haiti to battle Haitian bandits threatening destruction of American properties. And native bandits quickly head for the hills. This puts immediate end to troubles in populated areas, but Marines prepare to drive into interior and rout the insurgents out. Comme assistant du général Butler, il y avait Chevalier, André Chevalier. Donc nous étions voisins limitrophes, donc il venait raconter tout ce qui se passait. Les Américains étaient là, maintenant ça a été, ils ont fait les élections. J'ai assisté aux élections de l'Atlantique Nord. Le champ de Mars était un vaste territoire nu. Il n'y avait pas d'arbres du tout plantés. À droite, il y avait ce qu'on appelait les tribunes en fer. Et devant ces tribunes, c'est là que l'armée haïtienne, l'armée des va-nu-pieds, des sans souliers pauvres diables, avec des rayons, faisaient leurs exercices. Ça intéressait tous les enfants qui allaient assister chaque dimanche. Et alors les Américains ont maintenant renvoyé cette armée et ils ont commencé à faire une autre armée là, qui est devenue l'armée. C'était d'abord, je crois, la gendarmerie d'Haïti. L'affaire des Carquois a commencé. Les Américains avaient entrepris de faire la route Port-au-Prince-Cap-Haïtien, qui n'existait pas. Et pour cela, ils avaient institué la corvée. Donc ils arrêtaient tous ceux qui passaient, et les métiers au travail étaient obligés de travailler toute la journée, et vous étiez obligé de revenir le lendemain. Et ceci, je ne peux pas l'affirmer, mais l'histoire prétend que la mère de Charlemagne Péral passait sur son âne quand elle a été aussi arrêtée et mise à la corvée. Donc c'est ce qui a déterminé Charlemagne à entreprendre sa guerre. Et la guerre a duré pas mal de temps, près de 2 ans, je crois, près de 2 ans. Et ça a été très dur pour les Américains.
En soi-disant, causement l'histoire, bon nek trakayo, pa ge voa cause pa nou la kay voisin ki ban tente nou dil certain. Fondare monte le passé, bel livre ke gros colon écrit, na ouais vraiment sa ke fen pedi indépendance nou zouk jodi. Lendemain nou sa ke gen pou lot yo, ki sa nap serre pou ti moun yo. Pique ou c'est littératio, très certain c'est causé crédit. Ça n'a qu'un bel homme pour l'autre. Quand ils ont pris Charlemagne, grâce à Conzé, il a été remplacé par Batraville. Et c'est lui en fait qui menait la bataille réellement. Et à un moment donné, ils ont changé d'attitude. On a soudoyé, pour ainsi dire, les chefs à qui on donnait du travail. Et ils ont tous été employés à Dauphin. Et c'est ainsi que la lutte a pris fin. Après la grande bataille de Port-au-Prince, et ils sont rentrés réellement par trois points, en passant par le bord de mer, ils sont venus aussi un peu par la coupe, et d'autres par la route Port-au-Prince-Cap, arrivés à la Grand-Rue, où il y a une bataille très sérieuse. Ils ont été dessinés par les voitures blindées qui pensaient pouvoir prendre avec. Ils rentraient sur les machines blindées avec leurs manchettes. Ils ont été décimés et ils se sont repliés en laissant beaucoup de morts ce jour-là. Après dans Villeneuve, bon, il y a eu des élections pour Bonneau. C'est Bonneau qui a commencé avec l'école et l'agriculture. C'est lui qui a commencé à faire les routes. Route Port-au-Prince-Cap, route Port-au-Prince-Caille et route Port-au-Prince-Hinche. Parce qu'il y avait une très forte force à Hinche. Parce qu'en fait, c'était la région même des Carcos. C'est toute la région de Hinche, Grande Rivière, Pignon, Mirbalais. C'était là leur foyer. Et en somme, Bonneau a coopéré avec les Américains, mais il a su aussi les contenir d'après moi. How long were you stationed with the Marines in Haiti before going to Lagunas? I was out on the mainland of Haiti for over 5 years, patrolling and assigned to various other posts. Fighting bandits? Fighting bandits and doing other things. Uh-huh. Did you see very much of Voodooism while you were on the mainland of Haiti? Yes, I have seen plenty of it. In fact, I've raided numerous voodoo temples. At one time, I've laid in the bushes over 5 hours before I finally decided to raid it. The voodoo ceremonies in Haiti were against the law. Were they? Yes, they were considered against the law. But they went on nevertheless? Yes, they had them all, usually, of course, out in the country, away from all officials. Dancing and howling and whooping and various other things. In fact, sometimes it looked like they were very dangerous. Indeed. Was the island of Lagunas considered a very dangerous post? Yes, it was considered very dangerous. In fact, they never kept anyone there over 6 months. The people were considered savages, and the place very unhealthy. Et alors, on a décidé de décréter la grève.
La grève a commencé par Damien, c'est ensuite attiré les élèves des lycées, des autres écoles, et ça a pris une ampleur extraordinaire. Et maintenant, débarque la commission Forbes, venue pour étudier la situation, et la population entière a fait une démonstration extraordinaire. Plus de 50 000 personnes ont défilé au Champ de Mars. Je suis né à Jérémy, je donne la date, le 1er janvier 1918, vers l'âge de 9 ans, avant d'aller en pension à Port-au-Prince, chez les sœurs de Saint-Joseph de Cluny à la LU, que j'ai lu Firmin de l'égalité des races humaines. Bien entendu, il y a tas de choses que je n'ai pas comprises, mais j'en ai retenu qu'il fallait défendre et son pays et sa race. Comme j'étais né sous l'occupation américaine, j'étais sensible à la question de race parce que, il paraît que c'est... on voyait, ils l'ont bien montré, qu'ils nous méprisaient parce que nous étions des nègres. Nous le leur rendions bien d'ailleurs, parce que tous ces barbares et du mérine qu'on nous a envoyés, ben, nous les trouvions tout à fait sauvages. Qu'est-ce qui se passe souvent ça? À mon avis, pas grand-chose. Pas grand-chose. Bien qu'il ait écrit en posant des jalons, mais je ne vois pas sincèrement quel jalon il a posé. Quand il prenait la parole, c'était magnifique. Je suis né à Port-au-Prince le 2 février 1920 de l'union de M. Jean-Baptiste Faro, mon père, et de ma mère Francine Fontaine. En 1934, tous les gens jubilaient lorsque les Américains ont laissé le pays. C'est pour vous dire, n'est-ce pas, comment nous avons perçu l'occupation américaine, qui pour nous était une humiliation, à mon âge, c'était une humiliation pour Haïti. Dans ma conscience d'enfant de cette tribu, des descendants de Tancrède et des descendants des Mangonès, chacun de cette tribu-là, que ce soit les Roumains, moi-même, Jacques Roumain, on était très intimes et l'existence de la plaine du cul-de-sac était une chose très chaleureuse pour moi. Et tout jeune, j'ai visité le Cap, ce qui n'était pas donné à tout le monde, parce que ma marraine était la sœur d'Oswald Durand, le premier gars qui a écrit en créole, a fait Choukoun. Et tu vois, toutes ces choses-là me donnaient un sens très profond de ce que c'est qu'un citoyen ici. Parmi les jeunes, Jacques était là pendant l'occupation américaine. Il a été le gars qui, le premier, tout jeune comme il l'était, la famille des Roumains avait envoyé les enfants faire leurs études en Suisse. Et Jacques allait en Suisse, et très doué, très brillant, il a appris l'allemand, il a été en Espagne aussi, pour une raison X et Y, qui était qu'on parlait l'espagnol déjà avant de retourner en Haïti. Et revenu en Haïti, il était le personnage très intéressé à être national, à être convaincu qu'il fallait rejeter l'occupation américaine. Et il a été parmi les premiers à faire le texte de la création d'un parti communiste haïtien. Quand je suis devenu un peu plus âgé, dans les années 34, bon, on se passionnait pour la guerre d'Éthiopie. Et puis alors, la guerre d'Espagne, que ça nous, on était très, il faut dire que j'étais abonné à des journaux français, d'abord l'Intransigeant, puis Paris Soir. Et en définitive, Marianne, alors ça c'était l'époque du Fonds populaire. Donc Marianne m'a intéressé surtout à la question sociale, parce que Marianne soutenait le Fonds populaire. La guerre d'Espagne, là, on était au courant à Jérémy parce que des gens avaient lu, moi on me l'avait fait lire,
le livre de Rochning, Hitler m'a dit. Et puis on a les Mein Kampf. Donc on connaissait, on s'intéressait à la montée du fascisme. Et on était scandalisé par la guerre d'Espagne parce que les prétendus démocraties avaient abandonné l'Espagne à Hitler et à Mussolini. Entre-temps, il y a eu le mouvement indigéniste qui était passionnant parce qu'on lisait tout ce qu'écrivaient les Karl Marx, les Émile Roumer et tutti quanti. Et puis il y a eu ensuite la fondation de la Ligue féminine parce que les Sylvains étaient des amis très proches de ma famille, surtout de ma grand-mère et de mon grand-père. C'est là qu'elles ont fondé la Ligue féminine sur la demande d'une Américaine féministe qui est venue accompagnée d'une Dominicaine demander à Madeleine Sylvain de fonder une Ligue expliquant la question. J'étais à l'époque agronome à Plaisance quand c'est arrivé. Et ça a causé un tollé à travers le pays. À tel point que j'ai eu à faire une remarque à ce sujet. Et j'ai été dénoncé par le maire de Plaisance. Et Vincent m'a révoqué par téléphone. À ce moment-là, c'est le colonel Larac qui était au Cap. Il a, paraît-il, réuni la force qu'il avait sous ses ordres et il marchait sur Wanamet pour aller protéger ces malheureux qui rentraient, blessés, mourant des fois. Quand il a reçu lui aussi l'ordre de rebousser le chemin. Ça a laissé un goût amer dans le peuple. Laissant accepter 700 000 dollars pour les 37 000 tués. Il y a eu le massacre des Haïtiens qui a été un drame terrible pour le pays. Et je me rappelle que mes cousins et Roumer, tous, ce sont les frères de Milo, parlaient que de s'engager pour aller attaquer la Dominicanie. Évidemment, Vincent et ses parents, poussés par les Américains, nous ont vendus. Alors l'Haïtien a été payé moins qu'un cochon. Ça a scandalisé tout le monde, ça a été une chose épouvantable. J'ai eu mon diplôme de médecin à 21 ans. Et je suis parti tout de suite. C'était en 37, je suis parti tout de suite pour aller étudier d'abord à Paris. De Paris, j'étais en Italie. J'étais donc en Italie pendant toute la dernière période de Mussolini. J'étais à Rome, en Italie, en 1939. Donc ça veut dire que lorsque la guerre a éclaté, j'étais en Italie. Nous avons vu toute la débâcle française, je l'ai suivi moi-même quand je suis parti de Paris pour aller à Rome, où j'étais en vacances à Paris, et j'ai suivi la débâcle française. L'appel du général de Gaulle a été fait
pendant que moi-même, j'étais déjà rendu retourné à Rome. Quand De Gaulle a fait sa fameuse déclaration. J'invite tous les militaires français, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air. J'étais très ému d'apprendre que les Allemands étaient entrés dans Paris. Bon, ça a été une affaire. Vraiment, ça nous a bouleversés. Et puis, alors, quand je suis arrivé à Jérémy, nous prenions la radio. On ne pouvait pas plus prendre la radio de France, donc je prenais la radio de Londres après. Dès que De Gaulle a eu fait sa déclaration et tout ça. Donc, on a pris la radio de Londres. Et on entendait Big Ben tous les soirs à 6 heures. What General Weygand has called the Battle of France is over. The Battle of Britain is about to begin. Upon this battle depends the survival of Christian civilization. Upon it depends our own British life and the long continuity of our institutions and our empire. Ma sœur et moi, quand nous allions au cinéma, il y avait les actualités, il n'y avait pas de télévision. Alors, quand on donnait les actualités, on voyait Hitler et tout ça, racaille, et puis tous les collabos. Nous faisions du tapage avec nos amis parce que nous allions toujours au cinéma en groupe. On était une dizaine de jeunes filles, alors on tapait du pied, on battait des mains, on faisait du scandale. Et puis on disait qu'on était tout à fait contre les nazis. Ma grand-mère était la sœur du général Emmanuel Tézan, ancien général haïtien, très patriote, ma grand-mère aussi, mais ils ne s'entendaient pas sur la question de la présidence de Vincent, parce que tonton Emmanuel prédisait la chute de Vincent pour la semaine suivante, ce qui n'est jamais arrivé, et il était candidat à la présidence, parce que tous les anciens haïtiens, surtout les généraux et les ceci, ceux-là, étaient tous des candidats à la présidence. Moi, on a besoin d'être général, tout un chacun est candidat dans la présidence. L'escroc fait un chantage que les Américains allaient lui donner une très forte somme. 40 millions, forte somme. Et les députés ont voté à l'unanimité pour nommer l'escroc. Ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en un mismo olor, todos manos. Je suis rentré à l'Académie militaire le 3 janvier 1939. J'y ai passé 3 ans. Les 3 premiers mois étaient terribles. J'ai voulu même donner ma démission parce qu'on vous écrase. N'est-ce pas? Vous êtes brimé constamment. Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy, the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan.
marinero no se debe casar, porque al zarpar el barco lo pueden engañar. El hombre marinero no se debe casar, porque al zarpar el barco lo pueden engañar. Yo le doy mi consejo de honor, mejor es que conquisten cada puerto un amor. Yo le doy mi consejo de honor, mejor es que conquisten cada puerto un amor. El hombre marinero no se debe casar, porque al zarpar el barco lo pueden engañar. El hombre marinero no se debe casar, porque al zarpar el barco lo pueden engañar. Conquista en la China, conquista en el Japón, conquista en Puerto Rico, conquista en Nueva York. En somme, c'est D'Artigues qui a créé la société, Société haïtienne américaine de développement agricole. Et quelle société a été vendue à Thomas Fennel, qui sont rentrés pour planter la cryptostégia. C'était au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les Japonais avaient pris toutes les régions où il y avait le caoutchouc. Donc, il leur fallait avoir du caoutchouc immédiatement pour les avions et pour les transports et le reste. Donc, ils sont venus avec une affaire de culture de cryptostégia. Parce que l'EVA prend 6-7 ans avant de commencer à produire, tandis que le cryptostégia, c'est une liane qui pousse à moins d'un an. Et ils ont choisi les terres du Nord, les terres du Sud de Jérémy, les terres des Cailles. Ceci a commencé à sortir le paysan de sa tradition de culture. Et il travaillait à ce moment-là pour un salaire. Et depuis lors, l'agriculture paysanne n'a jamais repris mon repas. On vivait à ce moment-là à Cavaillon. Ma mère était chrétienne fervente, pas bigote du tout, mais une foi assez éclairée. Et mon père, lui, n'avait pas une solide formation chrétienne. Il affirmait sa foi de franc-maçon et de nationaliste. Je me rappelle comment il disait avec beaucoup de fierté qu'il a participé à la guerre de Miragoâne, des libéraux contre les nationalistes. L'année 42, j'étais au petit séminaire au Collège Saint-Martial, j'étais à l'école apostolique, dans la cour de l'archevêché, et on suivait les cours au petit séminaire au Collège Saint-Martial. J'étais dans une ambiance, je dirais, très chrétienne. Mais quand j'allais en vacances, eh bien, je reprenais et je continuais à visiter les temples vaudous, à suivre les cérémonies, etc. Et je me rappelais, même à ce moment-là, le bonheur que j'avais dans mon enfance de participer aux grandes cérémonies vaudouesses. Et ce souvenir m'est resté jusqu'à ce moment, et c'était peut-être les moments les plus heureux de ma vie. Donc je ne comprenais pas qu'on voulait opposer l'un et l'autre. En 1942 a commencé la campagne dite des rejetés. C'était une campagne anti-superstitieuse où tout le monde, tous ceux qui se disaient catholiques, devaient officiellement faire rejeter le vaudou. Même s'ils ne le pratiquaient pas, ils devaient faire la démonstration qu'ils rejetaient le vaudou, et ceux qui pratiquaient devaient remettre les objets de culte. Et on a vu
vraiment saccage des temples vaudous, des arbres reposoirs des esprits vaudous. Et une véritable, dans certaines paroisses, c'était une véritable autodafé des objets de culte qu'on brûlait sur la place publique, etc. En 1942 aussi, il y a eu la consécration d'Haïti parce que, comme la conclusion de cette campagne anti-superstitieuse pour asseoir l'hégémonie de l'Église catholique sur le vaudou, c'était l'affirmation de la priorité de l'Église catholique contre le vaudou, qu'on croyait avoir déraciné du peuple, de la mentalité du peuple haïtien. Mais la plupart des gens, moi-même, je ne croyais pas à la sincérité des officiels du gouvernement. On disait qu'on ne pratiquait pas le vaudou, mais donc on donnait témoignage qu'on ne pratiquait pas extérieurement, mais au fond, on savait que ces gens-là pratiquaient aussi le vaudou. En 1942, et on a vu arriver un clergé canadien-français, mais avec un évêque franco-américain, à savoir Monseigneur Collignon. À ce moment-là, j'étais séminariste. Bon, le sentiment qu'on avait à ce moment, c'était un peu ambigu parce que on était très content de voir partir le clergé breton. Mais en même temps, on craignait un petit peu l'arrivée des franco-américains parce qu'on se disait, ça évoquait l'occupation américaine et on se disait, est-ce que ce n'est pas une nouvelle forme d'occupation à ce moment-là? Il y a dans le diocèse 1175 prêtres, frères et religieuses. Environ 350 sont des Canadiens français et 103 sont nés dans ce pays. Le verbe de quelle proposition? Proposition infinitive. Avec comme sujet? Tout observant. C'était terrible sur l'ESCO. Par exemple, dans l'armée, l'ESCO allait chaque dimanche au cinéma, au Rex-Théâtre. Mais les officiers étaient divisés en deux parties. Les Noirs étaient à l'extérieur, en jaune avec fusil en main, veillant à la sécurité du gouvernement. Tandis que les officiers mulâtres escortaient l'ESCO à l'intérieur, habillés en smoking, à cabane choukoune. Sur le gouvernement de l'ESCO, n'importe qui ne pouvait pas aller à cabane choukoune. Cabane choukoune, c'était l'endroit réservé au président de l'ESCO et toute sa clique. Je suis allé, moi, de Cornell pour ne pas être pris par le fait d'être mobilisé immédiatement, puisque on avait déclaré aussi la guerre à l'Empire Nippon, comme on dit. Et Bob, mon frère, était resté et est rentré dans l'armée américaine, mais moi, je suis parti et j'ai traversé les États-Unis en bosse jusqu'à la frontière mexicaine pour aller voir Jacques, qui à ce moment-là était au Mexique. Et là, je l'ai rencontré. Et il m'a raconté le thème de ce qu'il était en train d'écrire, qu'il avait appelé les gouverneurs de la rosée, que je ne connaissais pas. Et je lui ai dit, mais quel est ton thème? Il m'a dit, bon, c'est la quête de l'eau, qui est une chose fondamentale, et je l'ai appelé les gouverneurs de la rosée. Donc c'était le nom du roman. Et moi, je suis revenu en Haïti. Quelque temps après, Jacques est rentré
en visite et il est mort ici. Nous gouvernerons la rosée. L'art populaire est partout dans ce pays. On rencontre cet art dans toutes les manifestations populaires, les manifestations publiques ou peut-être parfois officielles. La vie haïtienne est liée à son art. Et c'est tellement lié que l'haïtien lui-même ne voit pas ces larmes autour d'eux. Car ils vivent, ils ont bâti leur vie, ils ont créé leur existence autour de cet art. Cet art naïf, je dirais même automatiquement, a commencé à apparaître avec l'ouverture du centre d'art en 1944. Je suis malheureux de dire que les Haïtiens, intellectuels ou autres, ne sentaient pas qu'il y avait une certaine valeur dans cet art naïf, qu'il y avait quelque chose à apprécier. Ils étaient encore attachés à l'Occident. Cet Occident qui a essayé de détruire notre croyance, je dirais même la croyance populaire, le vaudou. Vous savez, la peur de voir une autre religion, une autre force s'imposer à d'autres forces. Et ceci a entraîné chez nous un besoin, chez l'homme intellectuel, de chercher l'Occident et d'écarter ce qu'ils ont de fort, ce qu'ils ont de pur, ce qu'ils ont de vrai en dehors d'eux-mêmes. Et c'est là qu'elle est la peinture naïve, cette peinture où dans la différence des autres, ils ont trouvé un moyen de sortir, d'apparaître. Mais Peter s'est arrivé à Haïti, il a cru bon de décorer une Jeep, ce Jeep qui parcourait Port-Prince, qui était vraiment bien décoré. Et timidement, on y a porté sur des tables de petites couleurs. Et les couleurs ont continué, les dessins ont augmenté. Et ces jours-ci, nous sommes fascinés par les tables. Naturellement, on voit l'influence de la religion partout, des phrases bibliques un peu partout. Et c'est à qui ferait-elle plus jolie des tap-taps. Russian army will continue its stern offensives on Germany's eastern front. The Allied armies in Africa and Italy will bring relentless pressure on Germany from the south. And now the encirclement will be complete as great American and British forces attack from other points of the compass. The United Nations have no intention to enslave the German people. We wish them to have a normal chance to develop in peace as useful and respectable members of the European family. But we most certainly emphasize that word respectable, for we intend to rid them once and for all of Nazism and Prussian militarism and the fantastic and disastrous notion that they constitute the master race. En 1945, lors de la fin de la guerre mondiale, je venais d'avoir un enfant. Je venais d'avoir mon fils Jacques. Et l'ESCO est sorti sur une sorte de voiture qu'on appelait tank et qui n'était pas réellement un tank.
Et puis toutes les cloches ont sonné. Ça a fait un grand événement dans Port-au-Prince, on a sonné les cloches toute la journée. Et alors les scouts qui avaient déclaré la guerre à l'Allemagne et à l'Italie, s'est posé en vainqueur. Il avait gagné la guerre, ça a fait rigoler tout le monde, parce que c'était un personnage parfois comique aussi. Scientists, British and American, have made the atomic bomb at last. The first one was dropped on a Japanese city this morning. It was designed for a detonation equal to 20,000 tons of high explosives. I have received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. On en avait assez de la dictature de Lescaut. On en avait assez de sa façon de poser des questions de couleur, c'est-à-dire de vouloir absolument et favoriser les mulâtres aux dépens des Noirs. Et ce qu'on avait trouvé, enfin, je veux dire, la jeunesse éclairée, et puis quelques personnes plus âgées, on avait tous ceux qui étaient plus ou moins communisants, plus ou moins socialistes, étaient indignés de cette façon de faire. L'agitation a continué, la jeunesse à ce moment-là s'en démêlée. Le journal Larouche a été fondé, Jacques Alexis était dans le pays, il était plus ou moins du groupe de Larouche. Il n'est pas du tout un homme d'appareil, puisque le groupe qui a fait mon baptême révolutionnaire, si je peux dire, non, c'était le groupe de Larouche en Haïti en 1945. Nous étions un groupe de jeunes qui voulions faire, avant la lettre, une sorte de mai 68 en Haïti, en mettant tout en question, la famille, l'église, la politique. C'est comme ça que je suis entré dans l'idée révolutionnaire. Lors des manifestations de rue, Gontran Rosy a essayé de porter les patrouilles, à tirer sur la foule. Nous n'avons pas tiré sur la foule. Et c'est Paul là qui a pris la parole et dit, mon cher Hulin, nous autres, nous n'allons pas tirer sur la foule. Alors, Hulin, Guillaume Béat a dit, bon, je vais en faire part au major. Le major nous fait chercher. Nous sommes allés à son bureau, Franck Bahia, Paul Larac, moi-même, Pasquet, Harry Neptune et consorts. Et Paul Magloire de nous a dit, monsieur, oui, Guillaume m'a mis au courant de ce qui s'est passé là. Et il nous a dit, nous prenons le pouvoir. Voilà comment le premier conseil exécutif a été constitué dans la cour des casernes. Le colonel Laveau, président de la junte, Antoine Levelt et de Paul Magloire. 46, ça a été un gros choc pour moi. Un choc tout à fait personnel. Parce que à cette époque-là, Routot avait fondé la Ligue antituberculeuse. La Ligue antituberculeuse était très pauvre, avait créé le sanatorium, il n'avait pas de frais de fonctionnement, c'était vraiment terrible. Il n'avait pas encore fait don à l'État du SANA. Et j'assurais l'approvisionnement. J'allais au marché. Je vais au marché ce jour-là, comme d'habitude, pour faire les provisions du SANA. Puis tout d'un coup, j'ai été, je ne sais pas, à propos, je ne me souviens pas à propos de quoi, je me suis retrouvé dans l'étal d'un boucher, poussé par quelqu'un, une marchande que je connaissais. Marché en fer, marché à cette époque-là, le marché de la Grand Rue, tu vois. J'ai été vraiment houspillé, on m'a insulté, on traitait de bouche rouge, on traitait de mulâtre, je ne vais pas le couper comme mulâtre. J'ai été traumatisé, je ne sais pas si tu te souviens, je suis revenu en pleurs à la clinique, jurant que je ne voulais plus jamais faire quoi que ce soit. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, je n'ai pas encore compris pourquoi c'est arrivé, ni comment c'est arrivé. Et puis finalement, j'ai trouvé que les revendications étaient quand même justifiées. J'ai trouvé que il y avait, peut-être ça m'a ouvert les yeux, qu'il y avait besoin d'un changement. Tu sais, tu prends l'habitude de vivre dans un certain environnement, dans un cocon, tu fais ta petite part, et puis tout d'un coup, tu réalises que d'ailleurs, j'ai essayé de faire un petit peu plus par la suite. Je suis né en 1940 et avec la révolution de 1946, j'avais 6 ans au moment de la révolution de 1946.
Mais j'ai quand même des images très claires de cette époque. En ce sens que d'une part, il y a nos mères qui venaient nous chercher à l'école, à cette époque-là, parce qu'il y avait des mouvements de foule dans les rues, etc. Et je pense que dans ma vie, c'est la première fois que j'ai entendu prononcer le mot « révolution ». Il y a aussi des aspects très, très festifs hein, de cet événement-là. Le peuple dans les rues, certains dirigeants du régime dont folkloriquement on faisait l'enterrement. Depuis, j'ai réfléchi beaucoup sur ces périodes-là ou ces vagues successives de mouvements populaires et je m'aperçois que chaque vague est plus violente que la précédente. Il y avait une constituante, vous vous rappelez? On devait d'abord voter pour l'élaboration d'une constitution et ensuite passer aux élections présidentielles. Alors il y a eu ce qu'on appelle le coup d'État de Thomas Desulmé, de Philippe Charlier. Ils ont pu, en manœuvrant les députés qui ont été élus, demander qu'immédiatement on procède aux élections présidentielles. C'est ainsi que Estimé a été élu président. C'était au Gonaïve, et en 1946, et au lycée, en première année du lycée. Et l'événement survenu à ce moment-là était pour nous quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire que nous avons vécu, et nous ne savions pas ce que ça signifiait, bien entendu. Il faut aller attendre, mais progressivement, nous allons être amenés socialement à prendre conscience de ce qu'est la vie et politique, à prendre conscience de ce qu'est l'ensemble des revendications à la fois et de la ville où j'étais et comment elle était gérée, comment elle était organisée, à l'ensemble du pays. C'est-à-dire, nous allons premièrement et ensuite non seulement pouvoir constater les mises en question à la fois de la religion catholique, une sorte de promotion, de frétillement même de promotion du vaudou. Nous étions donc très noiristes et les clubs se constituent, nous avons constitué des clubs dans les écoles et ce sont des clubs qui se sont réunis sur la base de ces revendications noiristes et ainsi de suite. L'arrivée d'Estimé, moi j'ai rouillé dans les brancards parce que Estimé apprenait quelque chose, je te dis, qui n'existait pas chez moi. Il apprenait la politique de couleur, c'est comme ça que je l'ai intercepté. Il apprenait coup et coup, les mulâtres, c'est... Oh, les mulâtres, moi je me sentais autant chez moi et autant propriétaire d'Haïti que n'importe quel noir ou n'importe quel mulâtre. J'étais né dans ce pays, ma famille, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mes grands-pères, mes grands-mères. Pourquoi est-ce que tout d'un coup je n'avais plus ma place là? C'est pas que je ne comprenais pas, je n'acceptais pas ce raisonnement. Et puis finalement, Estimé a fait des choses et Estimé, bon, il est arrivé très impopulaire, mais il est tombé très populaire. D'après moi, il voulait réaliser quelque chose pour le pays. C'est mon impression. Et malheureusement, il a commencé par des travaux que je dirais de vanité. Belader, jusqu'à présent, ça n'a. C'est à décrépitude. Ça n'avait pas sa raison d'être. Mais il voulait frapper, il voulait faire des choses pour frapper l'imagination du peuple. Ainsi, l'exposition, qui, en somme, a donné une figure à Port-au-Prince, qu'on le veuille ou pas. Mais qui aussi
a dérapé l'esprit de vol dans ce pays. Parce que c'est à partir de cela qu'on a commencé à croire que les recettes de l'État appartenaient à ceux qui les maniaient. Cette exposition, ça a été un moment festif. C'était en 49, je crois, j'avais quoi, 9 ans. J'ai des images très prégnantes de cette époque-là, le bord de mer, la fontaine lumineuse, qu'on dit qu'on a restauré depuis, cette grande ouverture sur le monde. Parce que même jeune, j'ai toujours trouvé qu'en Haïti, on avait une sorte de nationalisme de repli. Et dans cet univers-là, je me sentais mal à l'aise parce que peut-être que je n'employais pas ces mots à l'époque, mais j'avais au moins l'intuition que Haïti n'était pas le nombril du monde, mais qu'Haïti appartenait tout simplement au monde. Alors pour moi, le bicentenaire, ça a été ça, ça a été une grande ouverture sur le monde. Par la suite, j'ai beaucoup lu, et en particulier quelqu'un comme Corventon, qui dans Port-au-Prince au cours des ans a de très beaux chapitres sur ce qu'a représenté ce moment unique dans l'histoire du XXe siècle de Haïti. On a peine à croire que durant cette période-là, c'était peut-être quoi, pas beaucoup, hein, c'était quelque chose comme 6 mois à peu près, mais qu'il y avait des chanteurs d'opéra, de la musique classique, du grand théâtre, hein, des gens de jazz américains, des écrivains qui nous ont visités à l'époque. Et je me souviens avec ma mère, chaque soir, on s'en allait au bicentenaire, et c'était un lieu paradisiaque, où il y avait en face de la mer des Caraïbes, il y avait une sorte de promontoire où l'on pouvait se promener, etc. Bref, pour moi, ça a été un moment paradisiaque. Estimé a réuni l'état-major. Il voulait dissoudre le Sénat. Tous les membres de l'état-major étaient d'accord pour que le Sénat soit dissous. C'est Magloire et Prosper qui ont dit non. Magloire en a profité et il s'est servi de ses officiers de confiance, Clérier, Pasquette, pour signifier à Estimé qu'il devait donner sa démission. En 1950, la chute d'Estimé a été pour nous un choc. Et évidemment, et c'est la suite qui va se révéler et importante. Et je dirais, donc, quand Magloire est arrivé, et c'était au Gonaïve que le premier, il a commencé sa campagne électorale. Et c'est l'évêque des Gonaïves qui l'a accueilli de façon chaleureuse en disant, ben, et bienvenue soit celui que le Seigneur nous envoie, c'est-à-dire c'est déjà le coup d'envoi de ce gouvernement. Comme toutes les élections en Haïti étaient des élections truquées. Parce que je connaissais même, j'ai vu circuler les bulletins de la Cour des casernes. Je connaissais le nom de tous les sénateurs qui devaient passer. Magloire était l'homme fort, était tellement fort que personne n'osait se mettre en face de lui, si bien qu'il était le candidat unique aux élections. D'approche, et socialement, Magloire était vraiment très agréable. Très, très, très agréable, comme contact, tu vois. Tu n'avais pas l'impression d'avoir un bonhomme qui établissait une barrière avec... Je pense que Magloire a fait quand même pas mal de choses pour Haïti. Il nous a... Évidemment. Il a eu des ratés, soit dû à lui, soit dû à son entourage. Samedi,
Il a continué les œuvres d'Estimé. Naturellement, il a dit que c'est lui. Mais c'est Estimé qui a commencé les travaux de Pellic. Mais il n'a pas détruit. Il a continué les travaux de Pellic. C'est qu'il a accaparé le titre de président d'abord. Et ensuite, il a fait comprendre à tout le monde. C'est lui qui a fait les barres de lui. Pas oublier Paul Magoua Bain Pellic. Et c'est Estimé qui a donné Pellic. En effet, c'est la construction la plus audacieuse que nous ayons réalisée depuis le 19e siècle lors de la construction de la citadelle La Ferrière. Le barrage de Pellic, c'est la clé du projet. Le projet doit d'abord servir à l'irrigation, au contrôle des crues et ensuite à la construction d'une usine électrique qui pourra desservir tout le pays. Je fréquentais le centre d'art et David Peters m'a demandé un jour si je pouvais faire les photos des diapos des fresques de la cathédrale Sainte-Trinité parce que Monseigneur Vogeli voulait faire des cartes postales. Ces fresques, pour moi, représentaient quelque chose d'extrêmement intéressant parce que c'est la première fois que nous haïtiens, nous avions à l'intérieur d'une église des représentations sur les murs faites par les haïtiens. Ces représentations n'étaient pas comme les peintures qui étaient accrochées dans les églises catholiques ou bien dans les églises protestantes, mais c'était des peintures faites sur le mur. Et la Vierge Marie, Saint-Joseph, Jésus-Christ, etc., étaient des Haïtiens. Soufflez pour tout le monde sembler pour bonne rara sortir. Pourquoi non, téméraire? Sans nid pas moins écouter. Le papa m'était vivant, il était chef bonne rara ici. Tous les jeudis, ça n'était sorti, c'était belle bagaille. C'est vrai. Là, ça a été timon. Et des pour timon, on va danser dans bonne rara ici là. Non. Il faut y mettre plus d'intensité dès le début. Rappelez-vous que on annonce dans tout le village que si la bande de rara sort cette année, il y aura une catastrophe. Simon ne veut pas obéir. C'est là son drame. Ce jeune homme qui a étudié en ville et qui est venu vivre à la campagne doit disparaître et disparaîtra probablement pendant les festivités du carnaval. Il prend le risque, tout le risque, de donner sa vie pour avoir le droit de danser pendant 2 jours. Il faut dès le début rendre toute l'atmosphère tragique. Le français n'est que la langue officielle d'Haïti, puisque 85% de la population ne comprend que le créole, et la population entière parle créole. Si l'on devait interdire le créole en Haïti, c'est toute la vie nationale qui s'arrêterait. Toute l'histoire d'Haïti, cher monsieur, est faite de révolte. Ce sentiment de la liberté chez les esclaves a toujours existé. On a vu
des esclaves, courir vers des canons, enfoncer leurs bras dans la gueule des canons pour les empêcher de partir pendant cette longue période de 1790 à 1804. Et alors, de la masse des esclaves, ont surgi des héros incomparables, un Toussaint Louverture, un Dessalines, un Christophe, un Pétion, et j'en passe. Tous des héros qui se sont constamment insurgés contre le régime de l'oppression et de l'esclavage. Puis, ce Christophe, qui a été étonnant en bâtissant cette citadelle qu'il a construite comme le refuge suprême de la liberté des Noirs, cet homme qui a laissé impérissable un monument que l'on peut toujours admirer à l'heure actuelle. La pression démographique d'abord, puisque dans un pays à peu près de la grandeur de la Gaspésie, il y a une population de 3,5 millions, et le pays est très montagneux, de sorte que par le morcellement des terres, les gens sont obligés d'émigrer vers la ville. Et l'industrialisation n'étant qu'embryonnaire dans le pays, elle ne peut pas absorber l'afflux de la population venant des campagnes. Quand à cette époque-là, Outo était à la Croix-Rouge et on venait d'avoir Azel qui avait détruit presque deux tiers du pays et on avait reçu beaucoup d'aide de la Croix-Rouge américaine. Ce qui avait été un gros choc, parce que d'abord, on n'était pas préparé pour une opération d'une telle envergure, on n'avait pas de dépôt, on n'avait pas de... Et il avait fallu, on n'avait pas d'argent à la Croix-Rouge, il avait fallu payer les transports, les sacs de riz vers la province avec du riz, parce qu'on n'avait pas d'argent. Cavalier payé l'honneur, aïe, croiser les huit. Cavalier était chaud tête, suivi et figure d'amour. C'est qui cria, qui crie son boule, pour la pété chaudière, pour la voler, la laine, pas parler. C'est qui cria, qui crie son boule, pour la pété chaudière. Pour la voler, la laine, pas parler, pas causer, pas parler, pas causer. Et si qui a qui crie sur vous, pour la fête et chaudière, pour la voler, la laine, pas parler. Hop.
moment donné, la pite qui plantait aussi dans le nord était montée à 16 centimes. Parti de 4 centimes, la pite est montée à 16 centimes. Et le directeur de la Chada a reçu à ce moment-là l'ordre de signer un contrat avec une maison américaine pour leur fournir la pite pendant toute la période à ce prix. Ça paraissait une affaire excellente, mais quand on sait que le directeur de la Export-Import Bank, M. Charlton, savait déjà que la pite allait monter. Et la pite est montée à 34 centimes à un moment donné. Et c'est ainsi que nous sommes sortis de voir 4 500 000 dollars à la Export-Import Bank. Est absolument surprenant, en ce sens que, né en 1946, avec 6000 visiteurs seulement, le tourisme, aujourd'hui, en 1956, a atteint 65000 visiteurs. Je crois que ces chiffres se passent de commentaires et représentent actuellement, dans l'économie haïtienne, un facteur absolument primordial. Pour cette raison, je crois que, dans le grand avenir du pays, le tourisme doit tenir la place numéro un. Habituel, il y a des moments forts et les moments forts arrivent toujours à la phase de la fin du mandat présidentiel. Les élections auraient dû être décrétées dès 1955, ce que Magloire n'a pas fait. Donc le problème se posait à quelle date exactement il devait quitter la présidence. Selon la Constitution, c'était en mai 1956 qu'il devait être remplacé. Il n'a pas organisé les élections, mais comme il a été élu en octobre 1950, et qu'il avait prêté serment en décembre 1950, pour ces 6 années, il estimait que c'est en décembre qu'il devait quitter. Mais il ne l'a pas dit. Il y a eu un remous sérieux. C'est-à-dire, la vie politique est constamment mobilisée sur cette question de succession présidentielle. Avant décembre 1956, Magloire nous réunit pour nous dire que ce sont poulets. Et Clément Jumel. Donc tout le monde savait que Clément Jumel va être président, c'est la politique haïtienne.
Il est parti en vacances à Niagara Falls. À son retour, il a fait un discours extraordinaire, ok, pour traiter jumelles de mangeurs de mulattes. On a commencé à se poser des questions. Il nous réunit pour nous dire que, bon, plus de jumelles. Il voulait former une junte composée de Level comme président, les deux membres Marques Prosper et Roger Vildouin. Et Marques de lui dire, mais vous ne pouvez pas dans un pays comme Haïti former une junte composée de Level, Vildouin et moi-même. C'est ainsi qu'il a remplacé Vildouin par Léon Catave. Bon, poussé par la petite junte, si devant la terre des consorts, il est retourné pour dire qu'on plus de junte. Alors, je répète en créole, si mon café fait jeune, mon café gardé le tout. Là, maintenant, Cantave est furieux. Il envoie Cantave au Fort Dimanche. Il n'avait plus l'appui des officiers, particulièrement les officiers qu'il choyait. Il fallait qu'il parte. Le 6 décembre, Magloire devait remettre le pouvoir. On a fait chercher Cantave. Cantave est venu dans la cour des casernes. C'est là qu'on a eu un chef. On a envoyé une délégation à Pierre-Louis, Joseph Nemo Pierre-Louis, que l'armée lui demande de prendre le pouvoir d'après la Constitution. Tiraillé par les candidats qui voulaient tel ministère, Joseph Nemo Pierre-Louis donne sa démission. Maintenant, les politiciens entrent en jeu. Le Parlement et tout ça, article 81. Les politiciens ont fait le siège de Cantave. Qui acceptaient le principe. C'est ainsi qu'ils ont déclaré que l'article 80 est épuisé. Il semble que c'est Duvalier qui a donné le nom de Sylvain. Sylvain a été élu président pour organiser les élections en faveur de Duvalier. Le candidat Duvalier voulait prendre le pouvoir par la violence. Des bombes éclataient dans toute la ville. Il fallait par la terreur arriver à l'élection de Duvalier. Des joies apparaissaient comme étant celui qui a eu le courage d'affronter Magloire et de poser la question, c'était le premier à poser la question de la succession. Et Desjoie représentait globalement la bourgeoisie. Et il était donné à tort ou à raison comme étant celui qui assurait une sorte de revanche. Parce que dans ses slogans d'ailleurs qu'on disait, de 1946 à 1956, c'était 10 ans de recul social. Peuple haïtien, que tout gouvernement issu d'élections frauduleuses ou imposées par la force ne sera pas viable tant nationalement qu'internationalement. D'un autre côté, Duvalier qui est venu après représentait, c'était comme son antipode, c'est-à-dire c'était celui qui avait hérité, justement, de toutes les frustrations des noiristes au moment de la chute destinée. Les 4/5 de la population ont été littéralement abandonnés et dominés par une petite élite. Jumel était ministre des Finances de Magloire et il était donné comme étant pouvant être celui qui serait le successeur. Francis qui a changé sa paie et demeure la faim en salaire décent. 46 qui lui permet d'exiger de son employeur, du patron, un salaire. Daniel Fiolet était véritablement le leader populaire, mais d'autant plus important qu'il était très populaire dans la capitale et on sait très bien à quel point c'est le lieu stratégique véritable de la politique haïtienne. Mais avant tout, je suis homme et j'ai vu le danger que d'autres n'ont pas voulu voir ou qu'ils ont vu. À ce moment-là, d'après moi, le pays glissait sur la pente de la guerre civile. 56, c'est la chute de Magloire, qui s'appelait, là encore, de façon folklorique, quand son fait. Mais bon, les événements par la suite, avec la période de Duvalier et tout ce qui s'est suivi, nous ont permis de voir que c'était un dictateur de pacotille.